Salutations personnes de tout sexe et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Elden Ring. Vous n'avez pas vu le dernier épisode, tout simplement parce qu'il a été supprimé, parce qu'en fait je suis effectivement rentré dans le château et je suis mort en boucle pendant 3 heures contre le boss, donc j'ai pas gardé la vidéo, ça n'avait pas grand intérêt. Voilà. Donc aujourd'hui on va faire autre chose. On peut essayer de visiter cette zone. Hein. J'ai des trucs qui s'affichent sur mon écran. Hop, hop. Voilà. Bon, comment ça va, vous? Est-ce que j'ai réussi à me tromper de côté? Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que ça? On va. Comment ça, on va? Je suis pas fan, moi, de cette réponse. Ah, des chiens enragés. Trop cool. Écoute, j'espère que tu vas te mettre à penser à autre chose. On va faire au mieux. Donc ça, ils sont pas trop forts. Ça fait plaisir. Les gens qui se téléportent. Tiens, chais. C'est vrai qu'en protection magique, je suis bien quand même. J'ai vraiment pas compris cette histoire d'attaque dans le dos. Parce que je suis persuadé que normalement, je suis censé faire plus mal en attaquant dans le dos. Je viens de faire une espèce d'animation où je les poignarde par derrière et j'arrive pas à la faire à chaque fois. Pourquoi ça ressemble à un truc genre il va y avoir un gros méchant? Genre à peine je démarre le jeu, je tombe sur un gros boss qui va me niquer la tronche. Non, c'est résistance à la magie, pardon, si tu préfères. Ah, je me disais que j'entendais un truc. Hmm.
Vilain Dogo. Faire un crochet par la cabane. Ah. Bonjour madame. Ça va ? Monsieur, pardon. A pleasure indeed. I am Gauri, a great sage. In my day, anyway. I'd hoped to ask a favor when one of your ilk came along. A strapping young tarnished, able to cross the Scarlet Swamp of Aeonia. Don't fret, I'll provide fine recompense. Should you accept, I will teach you the secret of Celia, the town you see there. Uh-huh. Then you are willing to lend a hand, are you? I need your help to heal a certain young girl. Her name is Millicent. You will find her beyond Celia, resting at the church atop the cliff, stricken by the rotting sickness. Ok, bon, on verra si on s'en rappelle. Alors en fait ça c'était l'entrée. Donc j'imagine qu'il doit y avoir un point de sauvegarde devant, je vais prendre ça, puis on va retourner à l'intérieur. C'est vrai, il n'y a pas de... Ça m'étonne. Genre qui veut nous jeter des tonneaux, mais j'ai un peu la flemme. Elle nous a suivi ou pas? Non. Gros nul! Fait des tonnes de ouf. Je peux l'ouvrir cette porte? Non. J'avais oublié que dans ce jeu on pouvait pas rentrer dans les bâtiments. Un tableau. Faudrait qu'un jour on m'explique à quoi ça sert les tableaux. Oh, mais t'es joli ce sort. Je peux la prendre ? C'est si gratuit. De quoi les tableaux? Faudrait que je les paye en plus. Aou. D'accord. Il faut retrouver à quel endroit représente le tableau.
Ah merde, j'avais pas vu ma vie. Bah oups. J'étais persuadé d'avoir encore beaucoup de vie. Je sais pas pourquoi. Faut que je fasse attention. Donc ici tout à l'heure il y avait deux andouilles, mais puis maintenant. Ils sont pas très rentables en termes de runes. Et du coup merci à hein, Mini Clem d'avoir été chercher la réponse. C'est gentil. N'hésite pas à me disputer si je te dis pas merci. Traite-moi de gros connard. Bonjour. Ah. Oh, t'en fais des caisses. Mais pourquoi ça esquive pas? Je vais pas te disputer pour ça. Bah si. C'est le moment de coffre, mais attention derrière. Ça veut rien dire. Pour une fois qu'il y a un bâtiment dans lequel on pourrait potentiellement rentrer, bah en fait non. Bonjour. Putain, même en étant invisible, ils arrivent à mourir. Et après c'est moi le nul. Ce jeu est la définition de la frustration et de la rage. Aïe. C'est en train d'embêter Mini Clem là. Aïe. Oh pop oh, pop oh, pop oh, oh. Je la connais cette attaque, tu vas te calmer direct. Hein. Saut nécessaire droit devant. Tout d'abord derrière. Et comment ça marche ce truc? Il va falloir allumer des feux. J'imagine il y en a plusieurs. Il va y en avoir un autre là-bas. Un autre là-bas, un autre là-bas. J'imagine j'en ai 4 à allumer. Ok. Un bâton. Est-ce qu'il est bien?
Mais descendre ton cheval. Et ça ouvrira les portes, je pense, ouais. Mais il est nul! Oh putain. J'ai esquivé son attaque. Mais alors... Je vais pas vous mentir, c'était pas voulu. Hein. Je vais dire bien sûr que si, c'était voulu. Hein. Attaquer avant. Alors, comment qu'on monte ? Je suis fier de toi pour ça, Clem. Toujours penser à Gandalf. Du coup, comment je monte ? Cela, il y en a un autre. Ah, pardon. Putain, il a failli me tuer ce con. Donc pour ça, il faut que je monte sur cette maison là. Et pour monter sur cette maison là, comment je fais ? Je vais aller me présenter. Non. Alors là, j'ai moyen à apprécier. J'ai cru que j'allais être obligé de râler encore. Alors que c'est pas mon genre. Ta gueule. Là, toi. Putain, mais il doit y avoir un truc que je manque là, c'est pas possible. Comment je monte ? Ah, peut-être par ici. Mais voilà.
J'ai eu une frayeur à un moment, je me suis dit, mais attends, c'est pas la tour que j'ai déjà allumée celle-ci. Mais non. Donc là-bas, visiblement, il n'y a pas besoin. Donc la dernière, c'est celle qui est là-bas. Mais avant... C'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est bizarre qu'en sautant, tu puisses pas t'accrocher directement à la... à l'échelle. Alors est-ce que ça va nous ouvrir tous les trucs qui étaient fermés? Quelque part dans le visage, dans le village, le sceau a été brisé. On va aller voir. Est-ce que ça a ouvert la grande porte ou tout le reste? Non, ça a tout ouvert. La comète nocturne. Ah. Merci, Miniclem. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, ça fait 38. Il faut 38 d'intelligence. J'ai l'impression que c'est un peu l'équivalent de ça, mais en beaucoup plus fort. Ok, donc je viens d'obtenir un sort très très puissant. Il s'agirait de se calmer, monsieur. J'apprécie guère vos manières. Aïe! Costume d'aristocrate. Est-ce que c'est meilleur que ce que j'ai? Si possible, oui, ce serait cool. Non. Bah, c'est vrai que c'est pas mal parce que a commencé à devenir... mes sorts commençaient à devenir un peu naze. Alors par contre, je vous cache pas que je sais plus où étaient les autres portes fermées que j'avais vues. Je sais qu'il y a la grande en haut, hein, ça je vous rassure, j'ai pas oublié. Il me semble qu'on en avait vu 3. Un talisman du dragon magique. Ah mais ça a l'air cool. Améliore grandement la résistance aux dégâts magiques. Ah, c'est pas mal ça. Parce que finalement, le truc des PV qui remonte petit à petit, c'est tellement lent que ça me sert pas à grand chose. Ah oui, et le dernier il était par là.
Ok. On a eu les trois coffres que j'avais vus. Ah, une clé lame de pierre imprégnée. Enfin, lame de pierre. On avait vu un truc... où ça pouvait nous être utile. On ira voir plus tard, si on y pense. Enfin, si j'y pense, parce que j'imagine que vous avez un peu autre chose à foutre. Je fais un dernier petit tour au cas où. Ah! Est-ce qu'on essaye un boss? Alors, pourquoi pas? Mais on va juste aller se remettre de la vie avant. Je l'ai noté. Tu me fais rire. Ah, il m'en faut 3 maintenant. Les bâtards. On va y aller avec Michel. Oh, bien joué, Michel! Putain, mais c'est Michel qui fait tout! Bah écoute, GG, hein. Que dire de plus? Il est enfin utile! Alors, ça c'est un bon bâton, rassurez-moi. Alors, ça a l'air d'être un bon bâton, mais visiblement, je peux même pas l'utiliser. Est-ce qu'il faut 52 d'intelligence? Et pourtant, ça me dit qu'il est plus nul partout. C'est chiant que t'aies pas un truc genre pour... Bah ouais, en fait il est plus nul partout, c'est bizarre. Alors, ça me demande des caractéristiques de malade pour pouvoir l'utiliser, mais il est nul. Attends, on va profiter du fait d'avoir gagné des runes pour aller rendre Michel un peu plus fort. Greetings. Trop bien. On a un Michel de niveau 5 maintenant.
J'imagine que c'est avec ce chemin qu'on va aller à l'église là que... dont on nous a parlé. Pas très gentil ça. On va essayer de pas aller trop vite. Tu peux pas passer loin, bien sûr. Mais c'était tout calculé. Je l'avais planifié, Clem. Penses-tu? Exactement ce que je voulais éviter à la base. Oh merde, merde. Putain, lui, je l'ai même pas vu venir. Ça m'a rendu mes potions. Donc voilà la fameuse église. J'imagine que je vais avoir d'autres morts vivants encore devant. Et surtout j'ai ces cons. Hop là, par le pouvoir de la lâcheté. Ah oui, c'est vrai qu'il y a elle qui souffre. Attends, deux secondes. Je souffre encore un peu, j'arrive. Et on va améliorer nos potions. Flesh writhes with scarlet rot. It is a curse. Not to be meddled with by man. If you are wise, my flesh writhes. Mais comment je la soigne? If you are wise, you will my flesh writhes with scarlet. Confort droit devant. Essayez résilience. What? Est-ce que j'ai un truc qui s'appelle la résilience? Alors, c'est quoi de pourrir? Non. Non, moi je sais pas ce que c'est, résilience. Bah, des os, hein. Pourri bien.
D'après ce que j'ai lu, c'est des cendres. Ok. J'avoue que je comprends toujours pas. Ah attends, j'ai peut-être une idée. Faut juste que je sois à un endroit calme. Il y a pas un truc ici qui s'appellerait résilience. Non. Dissipe la démence. Oh, un espèce de petit fort. Terre draconique. Ah. Vous êtes pas obligé de mettre des dragons, hein. On peut appeler ça terre draconique et puis mettre des chèvres. Franchement, moi ça me va, hein. Pareil en plus, mais de ouf. Ah, à la limite, après ça, je retournerai voir la madame Clem. Mais on regardera cette fois-ci en tapant le nom de la dame si on trouve ce qu'il faut faire. Ce sera peut-être plus clair. Ils sont un peu plus résistants que d'habitude. Ah oui, même carrément plus. Bon, on va pas y aller. Ah, ça s'appelle Millicent. Ah, mais j'avais déjà pris la sauvegarde ici. Bon, si j'ai une sauvegarde juste à côté, en vrai...
Merci Mini Clem. Oh non, on a une deuxième forte. Ah fuck. Bon, empoisonné. Ah merde! Ah je l'ai pas vu venir ça. Il ne faisait pas si mal que ça les autres. Bizarre. Bonne nuit, bah bonne nuit Yamé. Repose-toi bien. Merci d'être resté. J'aurais jamais dû attaquer celle-ci en premier, je pense. Putain, c'est pas juste. Ah, ok. Putain, j'ai perdu mes runes encore. En fait, quand on a fait son attaque de cri, là, ça fait super mal. C'est chiant parce que je suis sûr que si je passe cet endroit là, le reste ça peut le faire. Il résiste de ouf. Ah
Empoisonnement. Ah, fuck. Ah merde. Je sais plus où donner de la tête. Peut-être pas que je l'envoie dans le tas tout de suite. Je réessaie encore une ou deux fois et si vraiment ça passe pas quoi. J'ai retenu ma leçon de la dernière fois, ne pas trop m'obstiner. Bon, là, en termes de runes, c'est tellement rentable que... C'est bizarre parce que les premières fois, j'ai pas perdu aussi vite. En fait, je crois qu'il faut vraiment que je les combatte une par une et de loin. Ah, sinon, il y a la technique de lâche. Qui est de j'envoie Michel et j'attends. Parce que lui, ça a pas l'air de lui faire trop mal. Toujours les ramener ici aussi, parce que comme ça, si je meurs, je peux récupérer mes runes rapidos. Ok. Ok, encore deux. Reviens là. Je vois plus rien. Ah, d'accord, elle était de l'autre côté. C'était con, j'étais pas obligé de la combattre elle.
Fuis, fuis, fuis. Il va plus viser. Mais vise. Oh, c'est dégueulasse. Ah, je pense qu'on va se barrer. Est-ce que j'ai assez pour monter de niveau? Je crois pas. Non. Donc je crois que du coup c'est là-dedans qu'il faut que j'aille. Ah bah c'était l'espèce de boss qu'il y avait à côté du bâton hein, je crois. Attends, faut que je fasse un truc. Donc c'est apparemment par ici aussi qu'il y avait le sort qui me manquait. Hop, 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 hop. Je viens ici pour te sauver, connasse. Mais pourquoi putréfaction? Bah non. Lequel, le sort violet? Tout à fait. La statue. Donc ça, je peux mourir, c'est pas grave. Comment tu me spoil? C'est pas grave. Ok. Mais je me disais dans tous les cas que Millicent, le nom me disait quelque chose. Si je trouve le fameux sort violet.
Ah bah oui, le voilà. Je crois que j'ai trouvé un truc intéressant. Très rigolo. Mais je crois que j'ai trouvé un truc qui justement me protège de la putréfaction machin là. Alors, équipement. Ce qui ne serait pas de refus, ce qui serait carrément bien. Ouais. Alors, sort mémorisé. Du coup, toi, on va te changer. On va mettre ça. C'est correct. Ouais non, ça a pas l'air de me protéger quoi que ce soit en fait. Je vais peut-être remettre du coup ma tenue parce que si ça change rien. Je reviens. À toutes.
Donc machine a envahi mon monde là. Oh la vache! Ok. Si elle me tape, elle fait mal quand même. C'est pas très gentil. Pardon, je me dandine sur ma chaise. Voilà. Non mais. Ah, mais non mais. Mais attends, je suis en train de lire ce qu'on m'a donné. T'exagères. Son armure est tellement cool. Mais elle ressemble à l'armure d'une des boss de fin de jeu que je me suis spoil. Enfin, tout le monde a spoil. Comment on va? Alors, est-ce que j'ai assez? Non, pile poil pas assez. Ouais, ça va. Alors, c'est con, mais j'ai pas l'habitude que tu me dises ouais. Du coup, ça va vraiment. Mais quel con.
Bon. Je vais essayer de me dire que ça va alors. Donc attends, elle m'a donné quoi? Parce que du coup, comme je me suis fait attaquer juste après, j'ai pas compris. Je pense que c'est pas ça qu'elle m'a donné. Ah non, c'était un truc comme ça. Ok, donc ça m'a servi à rien en fait de la tuer elle. Il y a bien effectivement autre chose à chercher dans le coin. Ah mais attends, c'est plus contaminé. Tiens, connasse. Ah mais si, c'est de nouveau contaminé. D'accord. Aïe. Accessoirement. Aïe, accessoirement. Qui m'a un peu enchaîné quand même. Ah. Qu'est-ce que ceci? Tout d'abord, combat cheval. Oh. Ok, donc il fait des invocations. D'accord. Je suis pas sûr que le côté combat cheval soit très pertinent. Ah, ou alors c'est qu'il faut d'abord tuer les invocations. Peut-être. Bon, au moins l'avantage c'est que je suis monté de niveau avant, donc niveau rune et tout ça, j'en ai rien à foutre.
Putain, Michel a pris cher quand même. J'ai plus l'habitude qu'ils prennent aussi cher, mon petit Michel. Aïe. Et ok, je vois. C'est faisable. Je pense que cette fois-ci, c'est vraiment faisable. Parce que bon, la dernière fois que j'ai dit c'est faisable, j'y suis resté 3 heures et c'était pas faisable. On va suivre la technique qui nous a été donnée, quitte à faire 6 fois le tour. Que viser ça aide pas à les taper. Mais vas-y! Il a fait mal à Michel. Pas malin. Ça, il fait mal. Hein. C'est disait que le boss est pas difficile, mais faut de la patience. Ouais, en fait, le truc, c'est qu'il est. Je pense que je peux l'attaquer effectivement avec les pierres quand je suis loin et que c'est Michel qui lui tape dessus. Mais sinon, en fait, faut que je fasse pas trop le malin et que je prenne des sorts qui attaquent très vite. Assez loin. J'attends qu'il vienne un peu et qu'il s'éloigne de ses potes. Coucou le Nizero, comment tu vas?
Désolé, tu passais en fufu. Tu as été trahi par Wizbot. Ok, plus qu'un et on est bon. Pareil, c'est bizarre que ton perso puisse pas bouger quand il fait des sorts. Qu'il puisse pas courir à la limite, tu vois. Mais pas bouger du tout, c'est bizarre. Mince, il a réinvoqué. Michel est mort. Tu t'es bien battu, Michel. J'ai l'impression que je les ai tous eus. Ça devrait le faire. L'aiguille d'or pur. Cool. C'est vrai que ça faisait un peu genre tu joues à chat. If you are wise, you will leave in my flesh, right? Ah oui, non, tu me disais, fait que j'aille voir le père. Ce sera mieux de faire ça, je pense. Mais... Ouais. As promised, I've detailed the secret of Celia right here. Go on. It's yours.
Now let me have a look at the needle. Well, well, this is a marvel indeed. The work of a true artisan, a meticulous, bold craftsman who grasps the essence of life. Can you give me some time with this? As well made as it is, it won't be much use snapped in half, will it? Can you give me some as well made as it? Ouais, mais j'ai pas que ça à foutre. Je pense qu'il n'y a pas un point de sauvegarde là-bas quand même. Ça me semble bizarre qu'il n'y en ait pas. Voilà, là je vais laisser du temps. Did your return. The needle is repaired. Now it will. Will you give it to the girl, Millicent? I will reward you in kind. Millicent rests at the church atop the cliff, tended to a wretched. Okay. You will leave in my flesh. You ask that I stab myself with the needle. Oui. To quell the scarlet rot. But how? Bon, t'es pas assez prêt, hein. Never mind. I've decided I would rather trust you than simply continue to spoil from within. Would you mind averting your eyes for a moment? Non. Mais je voulais voir. Well, that was easier than expected. But why do I feel so? Rep. J'imagine qu'il faut que je retourne voir le vieux.
Thank you kindly for giving the needle to Millicent. Now she too can begin her journey and stare her fate straight in the eye. You've been a saint through and through. As thanks, I vow to impart to you my knowledge of the lost sorceries of the Selians, descendants of the Eternal. Éclat nocturne, mais celui-là on l'a pas déjà trouvé? Ah, bah ça a l'air d'aller mieux. I hoped to see you again. My apologies for when last we met. I fainted before I could even thank you. Everything is as you said. Since inserting the needle, the scarlet rot has ceased to writhe. Even the nightmares have abated. And now, though I can scarcely believe it myself, I can move as I please. Not that I could ever truly repay you, but I would like you to have this, by way of thanks. A token though it is. Et ça, du coup, ça sert à quoi? Augmente la dextérité, augmente la force. Ouais. J'ai envie de tester mes nouveaux sorts. Peut-être qu'à la place de celui-là, je peux prendre celui-ci. Et juste pour voir, ça, ça ressemble à quoi ? Ok, donc ça c'est un peu la même chose mais en beaucoup plus rapide quoi. Et pourquoi mes trois ils font moins mal que quand il était tout seul? Mince. Tu auras bien avancé mine de rien, je trouve aussi. Mais faut juste que je vérifie un truc. Parce que là, ça faisait perdre 170. Je veux juste m'assurer que ce que j'avais, ça faisait pas plus mal. Ah non, 180, c'est kiff kiff. Mais... pourquoi il a son bouclier là ? Donc... là c'était 184. Je revérifie une dernière fois. Par contre du coup les 3 ils faisaient aussi mal que le truc tout seul, donc je vois pas trop l'intérêt. Ah oui, par contre ils visent beaucoup moins loin quoi. Ah ouais non, il fait un peu moins mal aussi.
Il fait moins mal et il consomme plus. Bon, je pense qu'on va rester sur ça. Ouais, je suis pas trouvé ça dingue non plus. Bon bah écoutez, je pense que c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour ce soir. Bon, on vient quand même de finir BioShock juste avant, donc là ça fait et bientôt 1h du mat. Profitons des bonnes résolutions. Oh, elle a disparu. Et puis bah du coup on verra ce qu'on fait la prochaine fois. Suspense. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode. Des bisous et à la prochaine.